Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous êtes? Bienvenue sur Desti Motivation TV. C'est toujours un plaisir pour que nous capables d'aider ou qu'on ait bon genre d'informations qui sont capables d'aider ou. Donc, pas oublier, dans la vidéo que je passe là, nous te montrer que comment capable changer adresse ou non, à quand tu veux CISO, pour que vous capable qu'on ait les quais immigration sur un document bas ou pour qu'on capable jeûner dans bon adresse cotoyen, pour éviter de rater document, parce que il y a plein de monde qui perd du document. Déjà, la façon ça que vous changez l'adresse et vous payez un monde, un paquet comme, il y a un monde qui paye un monde $100 pour changer l'adresse pour lui dans USCIS, mes amis. Tandis que l'adresse a changé dans USCIS, mais il n'y a pas changé dans USPS. Pas oublier, de tout ça dans la vidéo que se passe, il y a aucun changement d'adresse dans USCIS, mais malheureusement, il n'y a pas tout changé dans USPS. Changement d'adresse dans USPS, c'est une autre étape qui est son deuxième étape qui ne dépend pas de l'immigration. Pas oublier, lorsque l'immigration a vu un document, il a vu exactement par USPS, c'est USPS qui a vu, qui a vu déposer le document la CAI. Donc, vidéo, ça est très très important pour que vous connaissiez comment changer l'adresse dans USPS. Donc, ça doit arriver, vous changez l'adresse dans USPS vraiment, mais ça n'a pas une raison qui dit que l'adresse ou changer complètement. C'est Post Office qui est capable de changer l'adresse ou dans USPS. Mes vidéos, ça est très très important pour vous. Nous allons montrer comment vous êtes capable de faire ça. Nous allons montrer dans un petit coup de vidéo comment vous êtes capable de changer l'adresse ou dans USPS. C'est vrai, vous êtes connecté avec un navigateur. Il est capable de Chrome, il est capable de n'importe quoi. Google, Safari, ça va dépendre du device que vous utilisez. Vous allez taper USPS. Immédiatement, après USPS l'a présenté comme ça. Donc, on va cliquer sur le premier sac qui c'est Standard for Email. Donc, quand on est là, on va cliquer sur lui et il va le barreau côté pour changer adresse. Mais avant le barreau, la barreau, pendant notre processus, l'a expliqué comment le processus en lui-même les fait. Donc, il y a un barreau qui est très important, on va appeler Standard for Email. Donc, on va regarder en bas, on va prendre toutes les étapes. Mais, ce qui est important là-dedans, c'est que nous allons cliquer sur Change Your Address. Immédiatement, on va cliquer sur Change Your Address. Il peut là exactement sur PISA. Ce qui est très très important pour que vous connaissiez l'arrivée dans PISA, c'est l'étape que vous montrez. Normalement, il y a un individual, un family, un business. Si vous changez l'adresse pour le compte, vous prenez l'option individuelle. Mais si vous changez ensemble avec famille ou avec madame Pitito qui a déplacé, donc vous mettez family. Mais ça va dépendre que vous avez une même signature ensemble avec vous. Si vous n'avez pas une même signature ensemble avec vous, USPS a demandé pour que nous chaque remplir séparément. On a les bonnes web, on a cliqué sur Nada et puis pour montrer qui ça qui li a fait. Si que nous avons cliqué sur Family, normalement, li a demandé pour chaque monde, il faut que nous ayons même signature. Donc, si nous avons une signature différente, vraiment, l'a demandé pour chaque monde, il a rempli par yo pour compte et chaque a besoin de remplir en forme individuelle. Normalement, qui ça crive, c'est toutefois que monde, yon ta gen même signature, mais yon a prêté l'adresse là, yon pa prêté. Yap mandou même bagan la, de mwen di family. Pendant que m'fin di family, qui sa gwen yve la, nou we, yon di que, est-ce que moun sa yon gen même signature ensemble avec moi? La première question en bas, m'ap di yes. Immédiatement di yes, ou ok la pour que ou kapab changer adresse ou en famille. Même de di nou sa, si que ou di non, l'ap di ou que moun sa yon dwe rempli individuellement. An a le bon we. N'applique sur yes. Je vais montrer exactement qui ça va passer, ok? Ouais, il va dire. Mais si c'est fois que m'a dit non, que moun sa yo pa gen même signature ensemble avec moi, donc l'a dit ou obligé chaque moun sa yo rempli pa yo pour compte yo. N'a regardé là, regardé dernière phrase. Il dit anyone with a different last name must fill an individual change of address. Donc depuis last name dans différent, sa signature depuis différent, yo doit remplir yon individual. Donc, qui ça vient arriver? N'a pas descendu en bas, il dit, est-ce que y a un monde qui a eu la même signature ensemble avec vous qui a prêté la même adresse? Ou après, non. Donc, si y a prêté la même adresse, ou après, obligé, chaque monde a eu, y a fait li séparément. Mais, dès que vous prenez non, y a dit, ok, ou capable aller là. Qui ça lié? N'a pas, vous savez, l'étape, nous, on que, il dit nous rentrer hold mailing address. Soit pas ancien adresse et côté rete a. Moi rentrer ancien là, me dit zip code c'est 3909 qui coûte c'est Jackson Mississippi. Moi rentrer mailing là qui c'est exactement 2840 Robinson Street. Donc c'est un appartement, n'après que il y a pile appartement là-dedans. Donc c'est un gogo appartement qui gagne plus que 480 comme ça appartement. Donc m'a choisi pas même dit c'est 2840 Robinson Street 376 y'a quoi. Donc dès qu'on fin choisir on voit qui ça qui a passé exactement dans le dossier là. On a de là participation ça va m'a chercher
Je suis formé à ce que moi bien mettel parce que c'est ancien adresse moi qui est lié. Donc son essai qui m'a fait pour que montrer nous comment capable changer adresse. Qu'on y a même qui côté mérité qui nous envoie mailing address mais qu'on y a là. Nous avons mis l'adresse, hein, c'est côté orité qu'on a là. Donc, on va exactement zip code côté orité. Je vais dire zip code côté orité, c'est 31709 comme ça. On va comme ça. Bon, je vais mettre comme ça. Bon, je vais essayer 31709. Immédiatement, quand on est rentré, là, on va voir exactement qui city ensemble avec qui state qui est appuyé. On a les 31709. Nous, on parle en bas, Americos. Donc, Americos, c'est un city dans Georgia. Donc, nous, on allait et l'imande street address là m'a dit c'est 903 Parker Street appartement A. OK, donc il tout monter comme ça, that's it. Kounya là, est-ce que me fini? Non, beaucoup fini. On fait next immédiatement que on finit tout ça. OK, ça vraiment de le faire next, c'est vraiment de pour vérifier et on a besoin de une pièce d'identité pour aller vérifier identité dans un local USPS qui tout près dans n'importe local USPS sont capables de vérifier l'identité. On a dit, qu'on a qui ça dit, qui j'aime changer adresse. Est-ce qu'on m'a changé de façon permanente ou bien m'a changé de façon temporaire? Donc, nous plus conseiller nous changer de façon permanente parce que nous capables de changer adresse nous dans USPS autant de fois que nous voulons. Donc, dès que nous mettons le temporaire, là-bas nous exactement yon date de telle date à telle date. Donc, immédiatement changer adresse, ça, il y a pas de qui l'autre a remis, il a commencé à livrer document pour la donne. Ou pour choisir date là, mais sous point temporaire, la barre de telle date à telle date. Immédiatement, date ça arrive, yon barre ou encore. En allant là, nous prenons permanent, nous regardons pour nous, yon barre ou yon seule date pour entrer que yon commencez à mettre document pour vous. Mais si nous prenons temporaire, qui ça la baille? La baille de ou start date ça et ou fini date ça. Immédiatement, date ou fini, dérivé, yon pas voye document barre ou là, d'accord? Parce que yon connaît ou quitte adresse ça. Mais tout pipon pour nous pas permanent parce que nous ka changer normalement à tout moment parce que ça doit arriver, nous avons besoin de renouveler exactement et appartement côté nous hier ou bien house sans pas connaître n'importe côté que nous ta hier. Donc qui ça venir? Moi fini là, moi rentré. Donc li mande ki moun ki a déplacé kounya. On a dit que bon m'en pile comme ça. M'a dit moun ka déplacé am c'est Desti motivation TV ya. Ba sélectionner un email moi Desti motivation TV à gmail.com. On met un numéro de téléphone. Wap gen pou descend, wap klike sou next, wap descend et puis wap jwenn next en bas avec back, wap klike sou next pou kapab continuer process la. Donc après que ou fin vérifier tout ça que ou entre yo correct. Ki sa ou fait? Dès que ou fin et klike sou next, kounya la li pral ba ou étape côté que li di ou que ou kapab tout inscrit là depuis y a fond deliver pou ou wap kapab jwenn notification soit sur téléphone ou bien par email. Ou pas cliquer dans box là, ou pas payer pour ça. Depuis souvent toujours changer adresse pour mon nom, toujours cliquer dans box là pour que vous notifiez là qu'il y a bien un delivery capable un package que on a fait une commande et puis délivrer jeune ou bien capable n'importe lettre USPS à délivrer pour ou une notification. Donc ça en bas c'est une option qui pas obligatoire, donc optionnel. Ou capable pas choisir, donc c'est un XML forwarding, donc ou capable pas choisir. Donc on ne pas essayer de dépenser l'argent pour essayer de bagaille que nous pas besoin vraiment. Allez, quand on doit faire next, qui ça dit? On va vérifier pour exactement est-ce que toute information côté rentré yo bon. Immédiatement qu'on voit information côté rentré yo bon, donc quand là on va vérifier ancien adresse ou te mettre à avec nouveau adresse ça, est-ce qu'il est bon? Si toutefois tu as cliquer sur edit et ou capable éditer ou capable changer. Mais qu'on y a qui ça ou dit, je dis n'a payé $1.10 pour changement, mes amis. Et ou paye $1.10 pour changement. Donc ça peut arriver, là que ou cliquez en bas next, box à n'a gardé nous pas cliquer à, il est capable. Normalement, mon c'est un registration lié pour ça faire voter, bah, ça qui pas concerné, on sait de monde, et normalement, ça fait pas cliquer, m'pas cliquer dans la vidéo. Donc qu'on y a qui ça m'a fait next. Donc dès que je fin vérifier toute information là, tant que j'ai fait vérifier au moins correct et puis m'a fait next. Immédiatement m'a fait next, il va diriger mon côté pour que je suis capable de payer. Côté pour me payer, m'a pour deux adresses moi là et c'est là que si 4 m'a payer comme là, m'a passé comme là sous dia. S'il est enregistré dans une adresse ça yo, m'a capable cliquer sous lui la payer. Mais s'il pas enregistré dans une adresse ça yo, m'a gain l'autre choix que enter here different address. N'a cliqué sur enter different address. Donc on a là pas au côté pour entrer adresse 4 là normalement. Donc on ça dit parce que faut que vous bail your mailing address pour vérification transaction. Donc immédiatement que vous cliquez sur là, donc vous fin mettez adresse ou vous voulez aller au soumettre, il y a pas un numéro dossier et dans email que vous bail là,
Servèl wap gen pou prezante nan import lokal USPS pou kapab konfime identite ou e pou kapab chanje adres ou. Mèsi pou skote ap gade video sa. Mèsi de sou deja kite like, kite komante ou pataje video sou menen bay plus moun se to a bagaze akèn toujou mandou fè. Kite komante ou paswe se sel mwen ou kapab komunike ansanm avèk nou pou pose nou kesyon. E nou toujou pre pou nou repon. Mèm jan nou fèl pou tout fanatik nou yo, nou pa jan mou jete komante nou. Mèsi, nap kwaze nou pochèn video.